Et il doit impérativement reprendre confiance en ses capacités, Bassaïs. Balikwisha avec Vermeeren. Il a tout le temps, Vermeeren, d'adresser un excellent centre. Oh, la claquette de Slonina. Quelle parade impeccable. Toute la différence, la tête était magnifique. Hein. Cette tête croisée de Toby Alderweireld. Le centre l'est tout autant. Hyper compliqué. Attention avec le centre de Manier, un petit peu court, repoussé de la tête par Alderweireld. Wendal qui remporte son duel, mais le deuxième ballon est pour Manier. Il faut en faire bon usage. Lou, la réponse immédiate et l'ouverture du score de Ben qui glace le Bosseuil d'entrée juste après la parade magnifique de Slonina. Lou donne l'avantage à Eupen. Ah, on en parlait en prise d'antenne de ce jeune joueur ghanéen qui respire la forme depuis le début de la saison 2000. Balikwisha pour se charger de ce coup franc sur la tête de Vincent Janssen et la réponse immédiate qui remet ça dans la course du jeune médian anversois. Et voici donc le quatrième but marqué sur phase arrêtée pour les anversois. Vermeeren qui a tout le temps de lever ce ballon pour trouver la course de Balikwisha. Il termine tout seul, Balikwisha, il avait une possibilité de passe et finalement il y a un drapeau levé de peine. Grosse frustration, déception sur celui de Lanter. Ouais, je pense que la décision est justifiée, même si ça se joue à pas grand chose, c'est vrai. Toujours un régal de se déplacer ici à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, on peut clairement faire la fête puisque le but est finalement validé. Pas de position de hors-jeu. Ah non, il n'y a absolument pas de... Qu'ils sont en possession du ballon ou non d'ailleurs. Attention, encore une perte de balle. Ça peut profiter évidemment à Vincent Janssen qui veut s'inviter à la fête. Et c'est pas le cas. Illusion d'optique ici au Bosseuil. Tout le monde... C'était le petit bémol quand même hein, du jeu proposé par Eupen en première période et ça se confirme dans ce début de deuxième mi-temps. Mouya qui a tout le temps d'aller heurter la barre transversale de Slonina. Vermeeren qui attend le bon appel. C'est proposé par Ekelenkamp, parti à la limite du hors-jeu. En tout cas pour le moment, pas de drapeau levé. Et Bassaïs qui trompe son propre portier. Alors que finalement, il y a un drapeau levé, je pense. Hein, je pense clairement de Bassaïs. Alors qu'on revoit le timing de la passe et de l'appel d'Ekelenkamp servi par Arthur Vermeeren. Et puis... Et Florian Kofel qui croise les doigts, évidemment, parce qu'il s'apprêtait à effectuer un double changement. Et il est finalement validé. Alors que Finn Mokhtar, la percussion de l'Albanais qui rentre dans l'axe, il doit servir Kieran O'Kerr qui le fait très bien, demande une possibilité de centre et le retour défensif de Paulson. Oh, la frappe enroulée de Kieran O'Kerr à l'assist pour Mouya, pas de drapeau levé. Le voici, le petit but personnel. Kieran O'Kerr dans un premier temps, il y avait une position de hors-jeu, hein, probablement d'abord. Et puis ce ballon a été repoussé par Paulson qui va couvrir Mouya dans la foulée. Et les encouragements hein, du Bosseuil pour conclure cette rencontre. Nette victoire de Lanterne qui a donc retrouvé le chemin des filets.